Monsieur, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, Son Excellence Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Masisi, ainsi qu'à Kishishe dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tension observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute
également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Excellences, Mesdames et Messieurs. Muri Republika Demokarasi ya Kongo, imvura, imyuzure, n'inkangu byahitanye abantu batanu. Iyo mvura kandi yaciye umuhanda uva Sake ujya Rubaya muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani bakomera yagiyeyo. Ibi byabereye mu gace ka Mushakiga ari muri teritwari ya Masisi. Na gace gatuwe n'abaturage batunzwe n'ubuhinzi bw'ibirayi ndetse n'ubworozi bw'inka, ariko muri iyi minsi kibazwe n'imvura nyinshi yateje imyuzure, inkangu no kuriduka kw'imisozi. Kugeza ubu abantu batanu nibo bamwe mu byakozeho bemeza ko bapfuye bazira inkangu. Bwana Karitsa Jean Baptiste Barugira ni umuyobozi w'abamotari bakorera mu gace ka Mushaki n'umujyi muto wa Sake. Ubwo inkangu uri kureba hano yatewe n'imvura guhe nyinshi nijoro, inkangu umuhanda ziracika. Ukubirebe ingangu yacitsa itanya abantu kabukomaje kubona abantu bagera muri batanu na n'uyu munsi turacyashakisha kuko ni ingangu zirafunitse ndo tuzungu ibiri munsi z'ingangu bikurikireho ni ibiki turacyashakisha ndo duteganye ko ndabarenga nabo batanu ariko amaje kuboneka ni batanu icyo dusaba ubuyobozi twawe n'imbanuka dura n'ibibazo bitujanira abacu dusaba guverinema ishyiremo imbaraga ize batukure uyu muhanda bare n'icyatuma tena tuzongera gucika ikindi gihe. Iyi mvura kandi yasenye umuhanda uva mu mujyi muto wa Sake uje Rubaya mu teritwari ya Masisi. Uyu ni nawo muhanda bagenzi bava mu teritwari ya Walikale na Masisi bakoresha iyo bagemuye ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Goma. Abaturage bakoresha kenshi baragira yo kwarika. Aha kandi twasanze abamotari batwara abagenzi basanzwe bakoresha uyu muhanda. Babwijwe rya Amerika ko babuze uko bakomeza urugendo rwabo, bamwe bava Mushaki binjira mu mujyi muto wa Sake bakomereza Goma, abandi bava Goma baje Rubaya mu teritwari ya Masisi. Twatabazwa ubuyobozi bukaza bukadufasha bakatugirira neza ibindi bikaza kugenda neza. Imvura yaguye guturuka saa mbiri za nijoro iza kugera igitundi kigwa tubyutse dusanga umuhanda wacitse. Imvura turitabaza ku buyobozi cyane cyane buze buturwaneho cyane kuko ndagama mutari kubona ukuntu yatambuka. Gafupi Munyakazi ni umumotari ukorera muri uyu muhanda mu buzima bwe bwa buri munsi. Abarokatere bari kuja baradusaba 5 mili kugira ngo batwambutse. Turi gusaba ubuyobozi kugira ngo budufashe kugira ngo budukore barabara kugira ngo tubone ubuntu twaje turatambuka tutishyuye amafaranga ku barokatere. Ingaruka zo gucika k'uyu muhanda ziyongeye kuva mu masaha ya mu gitondo. Cecile Muyoboke ni umugore w'imyaka 26 asanzwe akora ubucuruzi buto kuri uyu muhanda. Aha tumusanze arimo kugurisha ibintu bitandukanye. Baje gucururiza no kuraguna muhanda gwacu. Ndabwo turi kubona. Nageze hano no. Uyu munsi ni wageze anga. Muri make ndabwo turi kubona rero sika bandi kari kari ndabwo bari gutambuka. Ibicuruzi kiko. Nini furanago ni mwecho. Kugeza ubu ubuyobozi ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru ntacyo buratangaza kuri impanuka yafunze uyu muhanda. Na minisiteri yo kugoboka bari mu kaga ntakiravuga kuri aba bantu barimo guca mu bihe bigoye baterwa n'ibiza. Societe Quatre Armades ishinzwe gusana imihanda yangiritse ni irimo kumanura imodoka zayo mu kugerageza gusana ahangijwe n'iyi mvura. Ariko Bwana Kibando Gervais, umuyobozi w'iyi sosiyete ifite icyicaro mu mujyi wa Goma, yirinze kugira icyo abwira Ijwi ry'Amerika. Mu magambo magufi yadusubije ubwo twavuganaga nawe yagize ati: kugeza ubu leta ntakirakora mu gusana uyu muhanda, ntacyo rero narenzaho. Mu bihe by'imvura imihanda yo mu teritwari ya Masisi ikunze guhura n'ibibazo nk'ibi, dore ko ubutaka bwaho bworoshye. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi ry'Amerika.